je viens de le nettoyer, j'ai mis de l'huile. On nettoie pas une chaîne en mettant de l'huile. Non, je lui dis, je suis très fier de mon vélo et tout. L'autre, il m'engueule parce que ma chaîne est crade. Nickel l'intro. 3, 2, 1. Salut les chalons. Nouvelle vidéo et on se retrouve à Font-Romeu avec toute l'équipe pour 2 semaines de stage en altitude. Et ce matin, skirou, poussé. À 2,40 parce que nous, vu qu'on s'est trompé, on allait plus loin. On a vous étiez, vous étiez arrêté quand on est arrivé. Quand vous étiez arrivé, Vivi qui monte dans le bus. Hein. Les bancs, allez, on y va. Allez, parce que là. Il remonte dans le bus. Plus de feuilles. C'est une feuille. Allez, bisous. Définition de la feuille. Bah la feuille, je sais pas, moi je dirais que c'est une personne qui fait preuve de faiblesse à un moment donné dans sa vie. T'es un peu fébrile comme une feuille quoi. Rich, Hugo il a quel type de feuille? Feuille de PQ. Non mais bande de con va. J'ai l'impression qu'on s'arrête, chercher la merde alors c'est du mal. Feuille de PQ. Toi tu t'es pas arrêté. Tu t'es pas arrêté toi. Ouais. Si là je me suis arrêté. Pense à la cohésion. C'est moi. Ouais. C'est trop long ce qu'il prend. Bientôt 3 heures. Trop bien. C'est les séances préférées. Salut. Ouais. Pas mal d'avoir quelqu'un pour fumer. Ah, j'attends mon téléphone, je vois. Surtout, Vivi, désolé. Vivi, donne pas un coup de pain. Vivi, s'en va. Vivi est sur la bourse, là. Je suis sur Alstom. Attention. Eh, vous allez pas faire vos cajots folles de là, hein, faire vos bobos, là, sur un chasse. On va choper trop froid. Séance de pied. Vous êtes capable de décoller. Il y a le chou qui fait grave. J'ai un bourreau de travail. T'as, c'était propre, Hugo. T'as vu ça? T'animes le vlog un peu. Bah, il faut, hein. Commencez par un. Pam. C'est vraiment en fait. Attends, faut commencer comment? Non mais t'envole pas non plus sur la vidéo parce qu'après c'est moi qui dérush. Hein. Là je vais te faire du rush, hein, je te le dis. Hein. Ouais. Allez, je suis en mode James Cameron. Là. Ouais, faut l'arrêter. Faut mettre un bike à ça pour le tout pour entraîner. Hein. Une jambe en sick, une jambe en tirade. On... Démonstration je vais donner. Ouais. Attends. On va le suivre. Mais putain, je suis dans le Non, mais j'arrivais pas du tout. J'arrivais pas à me concentrer. Il y a des trucs, c'est dur. Voilà, j'ai vraiment fait de la merde. Hein. J'y arrive. Donc, l'idée, c'est de venir. 2 appuis. Allez. 2. Merci. Aïe, 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 aïe. Aïe, mais comment tu veux que je me concentre là, putain. Mais ça va de vous foutre de ma gueule de loin même, bande de connards. Sérieux, j'y arrive pas là. Oh, oh, bâton, bâton. C'est pas ça. C'est où le ballon? Sors le ballon, c'est la pale. Darlan, faut déblayer comme ça. Oh, oh, le plaqueur, il doit s'enlever. Moi, je connais les règles. Attends, je vois les protège-dents. C'est mouillé en plus, l'herbe. Voilà. On a pné. Pas fond. Ah, génial. Le soir, petite séance de kiné et ostéo avec la pal. 3 séances de suite ensemble. Voilà, on se fait masser. C'est quoi le but un peu? Aujourd'hui? Ah, je te souviens. Tu m'as surpris. Non, le but, c'est de passer un peu les douleurs. Pour le doigt avec la pâle. Est-ce qu'on a déjà parlé du fait que t'étais de 2 couleurs, la pâle? Dans les vlogs, jamais. D'ailleurs, c'est ouf, ça. Montre un peu tes mains.
Tes mains, les coudes aussi. Eh oui, les coudes aussi. Les coudes, les mains et d'autres parties aussi. Ma bite. Salut la team. On filme un petit peu Lucas parce que c'est lui qui filme tout le temps. Après, on le voit pas sur les vlogs. Et en plus, pour le bonheur de plein de gens, il est tout nu. Non, il est pas tout nu. Et moi, je peux en profiter pour faire des plans assez sympathiques. Tu vois, où les gens ils vont se dire, mais waouh, c'est mon préféré. C'est encore un truc que je pourrais pas mettre dans le vlog. Ah, aujourd'hui, il se fait masser parce qu'il y a des problèmes partout. La mâchoire. La mâchoire. Il mange trop. T'as mal ici là. Ah, j'ai mal là, ouais. Là. Et ça, c'est parce qu'il mange tout le temps. Voilà, comme vous pouvez voir, il est pas très affûté. Le gras, c'est la vie. Désolé, je rigole. Du coup, il a mal à la mâchoire. Voilà, et là, c'est le parking où il y a des voitures, mais ça, on s'en fout. Sur ce, je vous dis à demain, parce que demain, c'est sa séance. C'est la séance des vitesses. Il va gagner, même si c'est pas une compétition. Allez, bisous les loulous, à demain. Au revoir. Ce matin, séance de vitesse. On a fait un petit peu d'échauffe mobilité avec Romain avant. Pour préparer les articulations et tout ça. On a séparé le groupe en deux pour bien travailler et activer une phase des zones. 10 secondes à bloc à peu près sur différentes zones. C'est parti! On voit deux parties de vitesse qui s'avèrent assez compliquées avec des sons qui sont pas jojo, des consignes qui sont pas toujours très bien données. J'essaye d'essayer de me rattraper du coup parce que sinon c'est vraiment la séance de merde. On a le droit de le dire. Donc là l'idée c'est de travailler, je vous propose, hein, attention, proposition, vous disposez, hein. C'est de travailler le virage droite qu'on pourra retrouver notamment à Trondheim sur la Coupe du Monde en décembre et puis sur les championnats du monde en 2025. Première proposition, si ça ne marche pas, on va revenir sur des gros fondamentaux, vous vous lancez dans le virage et on travaille de la ligne droite, d'accord? On a vraiment de quoi, vous êtes là, vous, on est comme près de l'Espagne, c'est des tapas, vous picorez, vous prenez ce que vous voulez, d'accord? D'accord les petits picoreurs? Donc là je vous propose, à vous de vous rendre le juste. Ouais, ouais, le contenu préféré dans cet exercice, c'est que de devoir remonter, je vais remonter comme ça, tu sais. Oups. Ça, c'est une grosse flippe. Oh, c'est dur, c'est exactement ça. L'homme le plus content de faire des ischios que j'ai vu. Mais on tient rien, là. Non, mais là, le problème, c'est les joues, là. Oh, bah, c'est rien. Non, mais là, c'est... ça me nique. Il faut un tapis rouge, sinon ça ne va pas. Voilà! Voilà! Est-ce qu'on s'en peut être trop de vidéos? C'est mal le visage! On a pas le visage d'un cœur, mais attends! Tu baves là? Arrête! Et après, on a lui là qui se regarde ce qu'il y a. C'est bien comme ça? C'est un vrai exercice ça? Bah, apparemment. Il y a plus rien là. Vas-y, fais-nous la démo, focus. Non, mais Romain. Mais oui, Romain, il a fait les vidéos comme ça pour moi, il apprend ce que. Mais Romain, à vous, tu te fous de sa gueule? Non. Moquez-vous, moquez-vous, vous verrez cet hiver. Même vous passerez avant quand je redoublerai à droite. Meilleur autostoppeur de l'espace Schengen. Dès qu'il y a une voiture qui passe, je vais peut-être prendre. Aïe. J'ai pas ralenti pour voir comment ça bouge. Ah, Théma. Ça, faut y mettre sur Tinder, hein, Choupi.
Wouah, tu l'as vu ou pas? Bien rangé. Discuter à table, moi. J'avais oublié, putain. Comme d'hab. Je suis désolé. Ça t'arrive souvent, putain. Ouais, t'oublies souvent quand même. Non, pas souvent. Pas souvent. Moi, j'ai pas fumé à Réunion, mais en gros, c'était pas hyper intéressant pour le vlog. Maintenant, c'est match. Sorti en course à pied ce matin avec la team. Ah la NOC, tu vas peut-être pas en courant quoi. Ah moi je la mets en courant. J'ai mis la NOC. Vas-y là. Ah moi j'ai mis là comme toi au talon. Et on a retrouvé quelques protagonistes. Bonjour. Lui il est déjà connu. On voit plus les autres. Regardez. Ah c'est moi le cobaye. Quand même. Ah t'es malade. Choisis moi. Et encore j'ai les gourdes. Impressionnant. Avec Julo que ça me je lui avais demandé, il a pris son petit tac du matin. Merci Rez. Sans Rez, dès qu'il a besoin de se défouler, ça tombe sur moi. On est solidaires, t'as un peu entre boudinés. Avec notre chou. Entre boudin, tu veux dire. Tu as pris votre couverture. Un truc de la team feuille. Non, on parle d'autre chose. On parle de choses plus lourdes qu'une feuille. Big Carlit avec les collègues. Et on a retrouvé Clem qui est monté par là, près de l'autre côté. Et nous on est monté de là-bas. Et cet après-midi, c'est récup. Du coup, on change d'activité et on passe au golf. Tiger Woods. Oh, non mais l'autre, t'es sérieux là? Non mais il s'est contacté. Il a fait quoi? Non, il a lâché une caisse. Voilà, des grandes mines et après on passe au 9 trous. Oh putain, la première dope que je fais, il me la filme. Je suis dégoûté là. Attends, refais. Elle va partir très bien. Ouais. T'as vu? Mon run sur golf, va-t-il se blesser? Attention, claquage de l'ischio. Oh, je vais le mettre dans le coup. Oh pute. Les mots blessent. Maintenant on a fait 2-3 tirs practice. Et le gars nous a dit que sur le 9 trous au dernier. Trop fort. Et qu'au dernier, si le 9 trous il est réussi en un coup. C'est 500 balles à la gagne. Donc avec un peu de chance, personne ne nous l'aura. J'ai vraiment un petit peu de chance. À part peut-être Julo qui est on fire. Peut-être. Oh wow. Il dit quoi? C'était pas prévu ça. T'as pas vu les petits jours là, je regarde. Ah mais j'arrive pas trop à enchaîner. Bah on part de là. Ou de là-haut. Ou du bleu. On part du bleu. Allez, on part. Allez, bleu. Avec toutes tes forces. Les bruits d'armes. Elle a quand même tapé dans l'arbre là-bas, elle est arrivée là. Pas de coup d'échauffe, Julo. Sinon, c'est de la triche. Putain, mais je me relève. Tes genoux, ils font comme ça, t'as eu un moment. Je me relève, putain. Oh putain. Ouais. Ouch. Ah oui. Tiger, fais gaffe. Après 18 coups. Oh Julo, si tu la mets. Oh putain, non, mais non. J'étais nul. Hein. Premier truc, 7. 7, on était nul. Moi je crois que j'ai mis 8. Hein. Ah, on va dire que c'est le premier trou. Allez, trou d'échauffe, il compte pas. On passe au suivant. Quand je disais que j'ai failli me la prendre dans l'objectif, c'était pas si loin. Elle est partie là. Pas mal. Ouais, pas mal, nice. Le golf. À la recherche des balles. Ou l'art de chercher tes balles, quoi. Le golf, c'est bien. C'est super chaud, faut tout le temps marcher. Quoi? Pénible, c'est pénible. Tu
quelqu'un esclave. Connard. En fait, c'est pas quelqu'un. On a échangé nos métiers aujourd'hui avec Richard Jou. C'est moi qui joue et c'est lui qui porte. Nous voilà arrivés au trou 9. Le trou où on peut gagner 500 euros si on le met coup en un. Sachant qu'il faut tirer là-bas. Non, failli crever. Oh, elle a tapé. On peut plus sortir sa balle là. C'est clair. Arrêtez, c'est le mec qui va le mettre dedans. Oui, j'espère bon, pour tout le monde. Hein. Oh non, putain. Pas mal. Le départ, sur le départ des filles, nickel. Écœuré, putain, la taupe. J'ai perdu des balles, mais j'en ai retrouvé donc ça. Après que je joue et ramasser une balle sur le green à quelqu'un, c'est une fin de séance. C'était sympa. C'était sympa, ça me touche. Fatigué, mais. C'est pas à cause de ça. Ce matin, lendemain d'intense de seuil, de la première intense, là on en fait tous les deux jours à partir de maintenant à peu près. Et on a fait sortie de Skirou au col de la Creta, qui est hyper beau. Et je vais essayer de faire 2-3 images de drone voir ce que ça donne. On descend en bus. Bien, on se voit là. Là, il y a mon Ruts. Derrière, il y a mon Choup. Il est où ? Connard. Ah non, c'est Hugo, pardon. Ah, oh, écœuré, écœuré. Et là, on a Chanaf qui filme le bus, du coup. Il filme, il est en drone, content qu'il loue. Il ouais. Filme les gars qui descendent en skirou. Et regardez, Vivi la feuille. Vivi, c'est une grosse feuille. Attends. Oh, le fuck à la caméra. Bonjour. Ah, coup. Ah, c'est tombé là. C'est qu'on a là. Le passe-temps favori des séances de skiro. Jouer avec la balle dans les descentes. Parce montées. Que dans les montées, c'est juste lui qui joue avec nous. Regarde. Allez, casse-toi là. Arrête, ça me fait pas rire.